Bienvenue sur la chaîne La Tricothérapie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter une écharpe tressée. Pour ceci, nous allons avoir besoin de la laine très épaisse, des aiguilles 11 US, des aiguilles à double pointe, une aiguille de tapisserie et des ciseaux. Premièrement, nous allons devoir monter les mailles. Ici, nous montons 36 mailles. Je montre en ce moment une technique que je n'ai pas montrée dans mes vidéos précédentes. Celle-ci est un petit peu plus compliquée, donc soyez libre de choisir une ou l'autre. Ce que j'aime bien avec celle-ci est que je trouve que la bordure est un peu plus jolie. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est faire un V avec le pouce et l'index, comme ceci, puis avec l'aiguille, aller vers l'extérieur et passer dans les boucles de gauche, droite, et puis on finit avec celle de gauche. Et on continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on aille 36 mailles sur notre aiguille. Donc, la partie la plus intéressante, notre pattern. Pour les rangées 1 à 4, on va répéter, tricoter la maille à l'endroit, puis la maille à l'envers, jusqu'à la fin de chaque rangée. Donc, c'est quand même assez simple. Je vais vous montrer après celle-ci comment tricoter une maille à l'endroit. Donc, on amène la laine en arrière du projet. Puis, avec l'aiguille, on passe dans la maille vers l'arrière. On fait on tourne contre les aiguilles d'une montre, puis on tire, et voilà, on a tricoté notre maille à l'endroit. Puis là, je remonte encore, je vais juste attendre quelques instants, puis vous expliquer comment on tricote la maille à l'envers. Donc effectivement, la laine doit être vers le devant, l'aiguille de droite vers le devant aussi, contre les aiguilles d'une montre, puis on tire, et ça fait notre maille à l'envers. Donc voici encore une démonstration. Puis on continue comme ceci jusqu'à la fin de la rangée. Si vous vous questionnez où je me suis procuré ces aiguilles de taille 11 US, je les ai en fait procurées sur Amazon. C'est une compagnie qui s'appelle Knitpal. Et dans ce kit, il y a, je crois qu'il y a 6 paires d'aiguilles de taille jumbo, comme on dit en anglais. Je crois que ça contient 11, 13, 15 US, puis quelques autres plus grandes tailles. Et c'est pour une valeur d'une vingtaine, trentaine de dollars canadiens. Puis, il contient dans ce kit-là aussi d'autres petits accessoires assez intéressants. Donc, si ça vous intéresse, je vais laisser un lien dans la description en bas de la vidéo. Puis, ce que j'aime bien de ces aiguilles, c'est qu'ils sont faites en plastique. Donc, c'est vraiment plus léger. Puis, ce qui m'attrait dans les aiguilles plus grosses, c'est que quand on tricote pendant un certain temps, des fois avec les petites aiguilles, j'ai tendance à avoir mal aux doigts. Donc, celle-ci, c'est plus facile à manipuler. Puis, je trouve que j'ai moins mal à la fin d'une petite séance de tricot. Bon, celle-ci est une rangée plus difficile à tricoter, mais on va s'en sortir. Donc, en premier, il faut glisser 6 mailles sur notre aiguille à double pointe, comme ceci. Puis, on s'assure de l'amener vers l'avant du projet. Par la suite, on va prendre notre aiguille de droite, puis commencer à tricoter un à l'endroit, un à l'envers, et répéter ceci 3 fois. Donc, à la fin, on finit avec 6 mailles sur l'aiguille de droite. Thank you.
Puis on reprend notre aiguille à double pointe qui est en avant du projet et on va refaire le même pattern de tricoter un à l'endroit, tricoter un à l'envers et on fait ça pour toutes les mailles sur notre aiguille à double pointe. Au final, on va se retrouver avec 12 mailles sur l'aiguille de droite. Puis, on va recommencer. Donc, encore, on va glisser 6 mailles sur notre aiguille à double pointe, l'amener vers le devant. Et on répète le même pattern de tricoter un à l'endroit, un à l'envers. 3 fois, donc 6 mailles qu'on tricote de l'aiguille, de gauche. Puis, on reprend notre aiguille à double pointe. On fait la même affaire que tantôt. Jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus de mailles sur cette aiguille. Puis, on va répéter là, ces mêmes étapes encore une dernière fois avec les 12 dernières mailles sur l'aiguille de gauche qui nous reste. Et voilà, on a fini la rangée qui est la plus difficile. Donc, pour les rangées de 6 à 10, c'est comme tantôt. On va répéter tricoter une maille à l'endroit, puis tricoter une maille à l'envers, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée pour les rangées 6 à 10. J'ai un petit peu menti tantôt, la rangée numéro 11 est en fait aussi compliquée que la rangée numéro 5, mais nous allons réussir quand même, ça se ressemble. Donc, la première étape, on tricote un à l'endroit, un à l'envers, et on répète ça deux autres fois. Comme ça, on obtient 6 mailles sur notre aiguille de droite. Puis, on va prendre notre aiguille à double pointe, glisser 6 mailles dessus. Et l'amener à l'arrière, cette fois-ci, du projet. Non à l'avant. C'est très important, il faut l'amener à l'arrière. Puis, on répète, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers. 3 fois, comme ça. À la fin, on va avoir un total de 12 mailles sur notre aiguille de droite. Puis, on reprend notre aiguille à double pointe. Et on va faire comme tantôt, tricoter un à l'endroit, un à l'envers. On répète ceci jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus de mailles sur notre aiguille à double pointe. «
Puis, quand on a fini avec ceci, on va reprendre notre aiguille à double pointe et aller glisser 6 mailles dessus encore une fois. L'année à l'arrière du projet. On répète encore le même pattern pour les 6 prochaines mailles. Puis, on va reprendre notre aiguille à double pointe et on va faire le même pattern, tricoter un à l'endroit, un à l'envers, jusqu'à temps qu'il nous reste plus de mailles sur cette aiguille-là. Puis, avec les 6 mailles qui restent sur l'aiguille de gauche, on va terminer avec le même pattern que je décris depuis tantôt. Donc, il nous reste maintenant la dernière rangée du projet. Et elle est assez simple, celle-ci. Donc, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on répète jusqu'à la fin de la rangée. Par la suite, il va falloir répéter les rangées 1 à 12 plusieurs fois jusqu'à temps qu'on obtienne une longueur d'échappe qui nous convient. Et aussi, c'est important de finir sur la rangée numéro 12, comme ça chaque extrémité de notre foulard va être symétrique. Maintenant, c'est le temps de rabattre nos mailles. Donc, la technique, c'est la même que d'habitude. En gros, il faut tricoter 2 mailles, puis passer elle qui est la plus loin par-dessus la deuxième maille. Comme ça, on a toujours seulement une maille qui reste sur notre aiguille de droite. Ici, en fait, j'alterne entre une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Mais je ne crois pas que c'est nécessaire dans le contexte qu'on va faire une petite bordure tantôt. Donc, on ne va pas voir vraiment le produit fini de ce qu'on fait en ce moment. Donc, quand il nous reste seulement une maille sur notre aiguille, on va tirer dessus et on va passer le restant de laine au travers cette maille. Comme ça, on va faire un nœud, ce qui va sécuriser notre projet. Donc, voici la fin de notre écharpe. Et maintenant, on va faire notre petite bordure. Donc, prenez n'importe quel livre où ce que, vous pouvez faire des tours de laine plusieurs fois. Puis ça va nous permettre d'avoir des bouts qui sont environ de la même longueur. Donc ici, après je coupe mes morceaux. Comme ça, ça va être relativement symétrique. Après ça, il va falloir prendre notre aiguille à tapisserie et de la laine que vous ne servez plus ou vous utilisez en fait la même laine que le projet. Prenez 4 morceaux de laine qu'on a coupé tantôt. Passez au travers de la petite boucle qu'on a créée sur notre aiguille à tapisserie. Et on va passer celle-ci au travers de l'extrémité de notre projet. Par après, vous pouvez couper la petite ligne rouge ou seulement la défaire parce que moi, je vais réutiliser cette laine pour ma bordure.
puis tirer un petit peu sur la boucle de la laine qu'on venait de créer et passer les petits bouts qui pendent à travers le trou, comme ça. Et on va répéter les mêmes étapes plusieurs fois. Comme ça, on va avoir une belle bordure. Ici, en fait, j'ai passé le bout de laine là, à la fin de mon projet à travers cette petite frange de ma bordure. Comme ça, j'ai même pas besoin de la rentrer dans mon projet. Je vais juste couper le bout, puis ça paraît même pas. Donc, on répète les mêmes étapes. Inquiétez-vous pas si les fils sont pas de la même longueur tout de suite, parce que tantôt, on va couper pour rendre ça là, tout égal. Donc, voilà, c'est notre bordure. Comme j'ai dit tantôt, on va maintenant donner une petite coupe. Une petite coupe de cheveux à notre bordure. Je niaise, mais dans le fond, c'est juste pour que ça soit plus joli. Que ça soit tout égal, de gauche à droite. Ici, je fais ça un petit peu à l'œil, mais vous pouvez utiliser une règle. Puis voici en fait le projet final. Je suis bien fière de ce que ça l'a donné. Je trouve ça très joli. Puis, si vous êtes intéressé par ma chaîne, s'il vous plaît, subscribe. Puis sinon, donnez un like à cette vidéo. Et si vous avez des idées de prochaines vidéos, vous pouvez laisser un commentaire en bas, puis je vais les lire. Merci beaucoup. Bonne journée.